Salut tout le monde, c'est Jean-Finesse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative dans laquelle je vais expliquer par rapport au post que j'avais fait l'autre jour, qui concernait le changement de potentiel changement concernant mes personnages, qui sont aussi mes OC, soi-disant passant. Déjà pour commencer, je tiens à vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo et vraiment de rester jusqu'à la fin pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Et aussi, vers la fin de la vidéo, j'aurai quelque chose à vous annoncer. Et je pense que ça va vous plaire. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Alors, déjà, on va passer directement à la première question, qui est la principale, en gros. Pourquoi tant de changements? Pourquoi des changements soudains comme ça? Alors, déjà pour vous mettre dans le contexte, j'aime beaucoup créer des persos, des personnages, des OC, etc. Mais il y a quelque chose en autre qui m'a donné en moi une forme d'incitation. Bref, en gros, j'étais pas satisfait de certains trucs. Alors, pourquoi j'étais pas satisfait de certains trucs? Parce que il y a quelque chose, c'est le perso qui me plaît plus autant qu'avant, et que je sens qu'il y avait certains trucs, selon moi, qui ont été faits complètement à l'arrache, voire même faits à la volée, on va dire. Simplement parce que quand on me posait une question, par exemple, ouais, est-ce qu'il fait partie d'un est-ce que ton personnage fait partie d'un clan ou un truc comme ça, et bien moi je me suis précipité, je me suis dit, alors selon la couleur, oui, on va dire c'est Galactique, on va dire c'est No Fury, tu vois. La plupart d'entre eux, ça a été complètement fait à l'arrache. Et aujourd'hui, je suis venu vous expliquer que concernant mes OC, qu'ils soient humains, cétacés ou encore Rotutu et New Balance, eh bien, je vais être très clair là-dessus. Déjà, en ce qui concerne les OC Rotutu et New Balance, ça c'est que pour moi, les cauchemars monstrueux, les dragons vipères, Hideo Predator, etc. À part les Furies, c'est terminé, j'ai plus d'OC sur ces espèces-là. Parce que ça me fait des personnages en plus, et honnêtement, avec déjà la blinde de personnages que j'ai, si j'en rajoute encore d'autres, ça va m'en faire trop. Et faire des OC et des clans sur d'autres espèces de dragons, je pense que pour moi, ce sera un peu impossible à gérer. Si ça se trouve, si je les garde, je vais les oublier au bout d'un moment, et du coup, on n'en parlera plus. Du coup, je ne garde que l'espèce des furies. Parce que honnêtement, c'est la base de la saga Rototrain New Dragons. Alors du coup, je garde ces OC concernant cette espèce. Les OC, c'est assez. Je sais même pas si je vais en créer d'autres parce que j'ai déjà mes principaux. Évidemment, ceux qui me suivent depuis un certain temps, que ce soit sur YouTube ou Instagram, vous savez très bien de quoi je parle. Je pense que oui, je pense pas que je vais en créer d'autres des OC cétacés. Ensuite, en ce qui concerne les cétacés humains. Non, pardon, je voulais dire les OC humains. Désolé, je suis plus pareil. Alors, en ce qui concerne mes OC humains, je pense pas que je vais supprimer quelques-uns, etc. Je préfère les garder comme ils sont parce que, honnêtement, c'est ceux que je préfère le plus. Je préfère le plus, c'est les OC humains. Parce que c'est les premiers personnages que je me suis créé, et du coup,
Je suis très attaché à cela, du coup, j'ai pas du tout envie de les toucher, je n'ai pas du tout envie de les changer, etc. Je les laisse comme ils sont. C'est-à-dire, il y en a, ils ont des armes, et il y en a, ils ont des super pouvoirs, donc du coup, je les garde. Et on va revenir directement sur le. Bon, je pense qu'on a répondu à la question sur les os et Retour to the Dragons. Là, on va parler de l'espèce des furies en particulier. Alors pour les personnages de furies, je pense que je vais totalement retirer les clans. Alors oui, je vais officiellement retirer les clans parce que sincèrement, ça fait beaucoup et j'ai envie de créer des OC juste comme ça, les nommer et leur donner une apparence, et voilà. Leur donner une apparence, un nom, et puis basta. Bien sûr, il y en a, ils vont garder leur pouvoir et tout. Mais je veux plus créer clan, j'ai juste envie de créer des OC juste comme ça. Peut-être que je vais créer des clans, mais ce sera uniquement des espèces de figurants, tu vois. Ce sera pas officiel. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En ce qui concerne aussi ma famille d'OC, bien, je pense que je vais les modifier aussi. Parce que je pense aussi que j'ai fait un peu du n'importe quoi, alors du coup, je me dis que je vais tout changer et comme ça vous verrez une nouvelle famille que je me suis créée. Vous allez voir, vous allez aimer. Alors. Et aussi en ce qui concerne l'histoire de mon multiverse, etc. Eh bien, je vais écrire une histoire nette et claire, comme ça personne sera perdu, personne ne pourra dire que c'est une histoire complexe, etc. J'espère sincèrement que ça vous permettra de mieux comprendre les persos et de mieux comprendre l'histoire. Parce que c'est vrai que mon histoire c'était un peu du n'importe quoi. Au début ça allait, mais après ça a commencé à avoir ni queue ni tête, selon moi. Et aussi, en ce qui concerne les ennemis de mes OC, j'ai aussi retravaillé sur eux. Il y a certains que je vais garder, d'autres pas parce que, évidemment, ils ont eu un lien avec certains des OC que je vais enlever, et du coup je vais devoir me créer des nouveaux ennemis. Bah, j'espère au moins que j'ai été assez clair. Alors préparez-vous à du gros changement concernant mon monde, etc. J'ai déjà fait le redesign de mon OC. Vous pouvez voir dans ma communauté et aussi sur mon Instagram. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair avec vous. Les os humains, je les touche pas. Je les laisse comme ils sont. Les os Autochtone Wagon, je garde uniquement les furies, mais je vais créer juste des os comme ça, en leur donnant juste une apparence et un nom. Avec des pouvoirs s'il le faut, ou des armes. Les OC c'est assez. Je sais pas si je vais en créer d'autres, alors du coup je laisse comme ça pour l'instant, je ne touche à rien. Et je suis sur le point de réécrire l'histoire. Et je vais réécrire l'histoire. Et je pense que là vous avez compris que je remake pas tout. Que je refais pas tout, je laisse certaines choses comme ils sont, c'est mieux pour moi. J'espère au moins que j'ai été assez clair et que vous n'avez pas trop perdu le fil, comme dirait. Ah oui, il y a un truc que j'aimerais vous annoncer. Je sais pas si vous voyez genre ma série Chant et d'or. Et ben, de base, je voulais vous mettre dedans. Et avec l'histoire que je fais, ben. Je savais pas où vous mettre exactement.
Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une mini-série officielle de la chaîne. Ça s'appellerait Sean and Friends. Il n'y a qu'une seule règle à ça, si vous voulez en faire partie, c'est être mon ami et d'avoir annoncé. Voilà, c'était ça mon annoncement. Je prépare une nouvelle série qui s'appelle Sean and Friends et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si vous voulez participer, il suffit juste que vous me dites que vous voulez participer à la série et je le noterai quelque part. Il y a juste une règle. Il faut être mon ami et il faut avoir un OC. Voilà, j'espère au moins que cette nouvelle vous fera plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Science Funeste. Ciao les gars. Ciao.